Rien d'autre que le sang et la mort. Hein? Tiens, tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Hmm? Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles moi-même vous chargeront d'apprendre. Donc, en gros, fermez-la, vous deux. En gros, tu veux le garder juste pour toi, et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi, et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait, il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton égo. Bon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Lycan et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as de monde, Ethan Winters. T'es prêt? Non. Impressionnant.
penserais quand même pas que je te laisserais partir, si? Je dois continuer à divertir Donna et Moro. Il est donc temps de passer au clou du spectacle. Attention, ça va saigner. Rien de tel que la viande à chier américaine. Ces barges qui ont rose. Vous savez, je vous attendais, Monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Vous voulez acheter quelque chose ? Oh, oh ! Voilà quelque chose que je n'avais jamais vu. Heureusement, vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. Qu'est-ce que t'achètes ? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. Soyez prudent. Est-ce que Rose est ici ?
Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Oh, viens, jetons-y un œil. Wow, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturé. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre.
Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Comme nous nous retrouvons. Vous? Qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Naturellement. Ne faites pas attention à moi. À la prochaine fois.
Ça fait longtemps que j'ai pas disséqué un homme. Laisse-moi te pendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vie, tu préfères quoi? Oh, je ne peux plus, c'est bon. Thank you.
Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Petit coquin. Tes balles ne font rien du tout. Vous voulez acheter quelque chose ? Merci de votre visite. Naturellement. C'est normal que vous soyez intéressé par cela.
Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Avec plaisir. Ah ah. Merci de votre visite. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Les temps sont durs, Ethan. Votre argent. C'est un investissement, Ethan. Quoi? Ah, ça y est, c'est terminé. Revenez. Quand vous voulez. Je te fais visiter. C'est tout. Oh, je t'aime.
tu as fait à ma fille ? Putain.